Bonjour Gilles Courtex. Bonjour Steven. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Vous avez été élu président du mouvement des entreprises de France Lyon-Rhône il y a presque un an jour pour jour, maintenant. Quel bilan vous tirez de cette première année ? Avant tout, avant de tirer un bilan, je voudrais saluer le pragmatisme, le sang-froid, l'action de nos entrepreneurs rhodania par rapport à cette crise. Voilà. Je voudrais aussi en profiter pour remercier tous nos mandataires qui ont été là, qui étaient présents. Remercier aussi l'ensemble de nos collaborateurs pour tout ce qui a été fait, pour toujours accompagner, fédérer, réunir nos entrepreneurs. Donc voilà, je voudrais avant ça les remercier tous. Et pour ce qui est du bilan, du coup ? Ben, bilan riche, puisque j'ai rencontré les acteurs économiques, politiques, réunion avec tous les mandataires. C'est important, mandataire de la formation, mandataire du monde économique, du monde des mandats sociaux aussi. Et puis donc les groupes de travail, groupe ETI, les commissions aussi, commission économique, commission environnement. Plus de 150 rendez-vous donc, qui m'ont permis de prendre la mesure des actions de notre MEDEF. Et puis j'adore le contact, donc pour moi c'était essentiel. Et puis il y a aussi, si vous voulez, toute la partie préparation de cette odyssée pour moi, qui était important. Où il y avait plus de 2000, on était réunis, plus de 2000, et là vraiment physiquement, première réunion. Et là c'était vraiment émouvant, avec un passage de témoin avec Laurent Fiat. Et puis tout ce travail qui a été fait dans les commissions, les groupes de travail, formation, économie, avec du transversal aussi. Donc une année bien remplie pour tout le monde, voilà. Une année riche. Une année riche, oui. Alors vous êtes investi dans une mandature importante. Vous êtes aussi un chef d'entreprise engagé dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça implique pour vous au quotidien ? Alors, vous l'avez dit, je suis avant tout, comme tous, entrepreneur. Ça demande de l'organisation. J'en ai un peu l'habitude parce que je le pratiquais lors de mes précédents mandats. Ça demande de s'appuyer sur des piliers dans mon entreprise, de travailler dans un esprit de bienveillance, de confiance. Est-ce qu'il y a une méthode, Gilles Courtex ? C'est pas ma méthode, mais c'est pas une méthode qui m'appartient, mais je suis à l'aise dans cette façon de travailler. Oui. Quelle est la place de l'entreprise pour vous au sein de la société ? L'entreprise, elle a un rôle fort, je veux dire, et on l'a vu cette année d'ailleurs avec ce qui s'est passé. Elle a été actrice de cette reprise, très forte, on s'y attendait pas. Hein. Qui aurait pu dire qu'on se retrouve à la fin de cette année au niveau économique, au niveau des problèmes de recrutement, des problèmes d'approvisionnement et tout. Je me souviens de ce début d'année et des propos qu'on avait tenus avec Laurent. Et on parlait d'une année qui était pour nous obscure. Et finalement, elle s'est passée beaucoup mieux que prévu. Pour moi, il faut rester dans cette dynamique, actif, optimiste, pour continuer à avancer. En introduction de cette vidéo, de cet échange, on a vu une animation sur la nouvelle identité visuelle du mouvement des entreprises de France. Mais on a aussi vu qu'il y avait des mots qui étaient présentés dans cette introduction. Ils préfigurent les orientations que vous souhaitez pour 2022-2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Oui, si vous voulez, on a souhaité, avec l'ensemble du bureau, se poser un moment tous ensemble. À l'extérieur pour pouvoir réfléchir aux deux, trois actions importantes à mener dans les deux ans qui viennent. Bien sûr, la première action, mais qui est naturelle, c'est défendre la croissance de notre territoire ainsi que son attractivité. Ensuite, le deuxième sujet important pour nous, c'est la jeunesse. C'est embarquer la jeunesse dans l'aventure de l'entreprise. Et ses valeurs, et je dis bien ses valeurs, et ils seront acteurs du futur, c'est les acteurs du futur. Et puis, troisième aussi sujet, c'est replacer l'entreprise dans l'importance qu'elle va jouer dans le progrès social et environnemental. Je l'ai dit par ailleurs, elle sera actrice, elle sera au premier plan, et c'est bien elle qui va porter tout ça. Voilà ces trois sujets, et ça va déjà bien nous occuper pour les deux ans qui viennent. Merci. Quels sont, peut-être pour terminer, les souhaits que vous souhaitez adresser pour 2022 aux entrepreneurs, aux adhérents du MEDEF Lyon-Rhône ? Ce que je leur souhaite avant tout, c'est une bonne santé, parce que c'est essentiel, qu'ils soient heureux aussi, parce que sans bonheur, la santé, il faut être heureux aussi, c'est important pour moi. Et puis aussi de réussite dans tous leurs projets,
projet personnel ou professionnel. Mais j'ai confiance parce que de toute façon, ils sont. Pendant toute cette année, j'ai senti cette énergie, cette volonté, ce travail qui a été fait au sein de notre MEDEF. Et nos entrepreneurs, ils sont à fond. Et voilà, même si on a des moments, des fois, un petit peu, des petits coups de blues où on redescend, mais ça ne dure pas très longtemps et on repart tout de suite de l'avant. Donc je suis confiant pour 2022. Merci beaucoup, Gilles Courtex. On espère tous que l'année prochaine, on pourra faire des vœux en présentiel. Et oui, parce que je pensais bien pouvoir les faire en présentiel et je m'en réjouissais. Et maintenant, rendez-vous l'année prochaine, tous ensemble, pour des vœux où on pourra prendre un moment vraiment particulier. Voilà. Et la date est cochée. Merci, merci beaucoup, Gilles Courtex. Merci, Stéphane.